attention, vous avez un lion derrière. Mais là, nous, on est parti sur le truc de faire une petite légende pour notre village parce qu'on faisait partie des derniers villages à ne pas avoir d'animal totémique, hein, dans une région où quand même ça reste un folklore assez local. Donc on s'est dit pourquoi les autres l'ont et pas nous. Attention! Léo est né dans la tête des enfants de notre village. Il y avait plusieurs pistes et ils ont choisi la piste du lion. Parce que c'est un animal qui est déjà emblématique parce qu'il figure sur notre sur le blason de notre village. À l'époque des Romains, il y avait du transport d'animaux pour aller dans les arènes et un jour, un petit lionceau s'est échappé et il est venu jusque chez nous dans la grotte d'un village et un habitant l'a trouvé et l'a récupéré, s'en est occupé et cet animal est devenu l'animal emblématique et a protégé les villageois. Donc ça me fait plaisir en fait, c'est que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un engouement aussi important autour d'un animal totémique. Et c'est là qu'on voit que c'est ancré dans les racines historiques de notre village et puis de notre culture. Quoi. Ça signifie faire la fête hein, autour de cet animal, danser, entrer dans la danse, afin de mettre de la vie dans le village et aux alentours. Je suis d'accord pour que nous ayons votre lion dans notre fédération. Je suis d'accord aussi et je me propose d'être ta marraine. Merci. Par les pouvoirs qui nous sont conférés, je te baptise, toi, Léo, digne membre de la Fédération Totémique. L'idée c'est de faire la fête tous ensemble avec les villages alentours. Et bon, apparemment ça plaît aux gens parce qu'aujourd'hui encore une fois, j'ai été surpris de voir qu'il y ait autant de monde qui nous suivait. Quoi. Donc c'est plutôt une bonne chose. Quoi. Ça fait plaisir. Thank you.
au départ c'était un lionceau, et puis le lionceau a grandi pour devenir le lion qu'on connaît maintenant, qui est l'animal totémique de notre village. C'est de la danse romaine.